Hey des matatous, à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Oncle Bryce et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser tout d'abord pour la semaine dernière pour mon inactivité car j'avais beaucoup de travail, il était pour moi impossible de vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une petite application pour les smartphones Android disponible gratuitement sur Google Play. Je ne sais pas s'il existe une version iOS pour les appareils Android. Il s'agit tout simplement d'un petit jeu moto qui s'appelle Traffic Rider, donc restez avec moi, c'est parti. Alors, quand vous êtes sur le menu, bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs fonctions comme la touche démarrer. Donc, hop. Donc là, hop, voilà. Donc, par contre, je n'ai pas la possibilité, j'ai donc essayé de redémarrer le jeu de manière un petit peu à zéro, mais je n'ai pas réussi. Donc, à savoir que quand vous démarrez, voilà. Donc, vous commencez par ce petit scooter, ainsi de suite, vous débloquez. Donc, c'est un petit MMO où il faut en fait booster son petit truc. Alors, moi, ce que vous pouvez voir en fait, c'est que là, je vais lui augmenter celle-ci un petit peu la puissance. Voilà, pour gagner encore en comportement. On peut faire le comportement, le freinage. Le refaire encore, voilà, on s'en met vraiment tout à fond, allez voilà, on est fou. On peut même personnaliser notre moto prochainement, donc je peux pas le faire encore. On peut choisir les gants du personnage et voilà. Donc vous avez plusieurs modes de jeu, carrière, sans fin. Alors sans fin, vous voyez, il faut il y a plusieurs niveaux pour les débloquer. Donc contre la montre, exploration. Donc niveau 14 et 32. Donc moi je suis que niveau 9, c'est assez compliqué, ben allez, c'est parti. Donc voilà, donc je suis à la mission 12. Donc j'ai commencé à la mission 1. Voilà. Donc toutes les missions qui ont été faites, vous voyez depuis le départ, on a commencé ici. Hop, on est descendu ici et on remonte. Donc, je suis à la mission 12 et le but en fait là ça va être d'atteindre la ligne d'arrivée à temps, donc c'est une épreuve chronométrée et vous gagnez de l'argent pour en fait pouvoir acheter vos véhicules. Donc c'est parti, donc, voilà comment ça va se passer. Hop, on accélère, c'est parti. Donc ça c'est chaud, on va essayer, mais vous allez voir c'est tendu. Alors le but, voilà, c'est de raser les voitures pour remporter des secondes, parce que comme vous pouvez le voir, c'est chronométré. Hop, et si jamais vous arrivez comme moi à faire ça, hop là, ça vous fait gagner 3 secondes de plus, ce qui est plutôt pratique. Alors, à savoir que si vous percutez une voiture, ben c'est I believe I can fly, hein. Hop, voilà. Voilà, par exemple, l'exemple total de ce qu'il faut. Voilà. De ce qu'il faut pas faire. Voilà. Là, je vais être un petit peu dégoûté parce que. Ah, si, je passe. 40 secondes. Voilà, 40 secondes. Et le but en 40 secondes, c'est d'essayer de raser le maximum de voitures. En wheel, c'est un peu compliqué parce que du coup, le champ de vision est un peu plus, plus difficile. Mais ça vous rapporte plus de points, plus de secondes. À savoir que ce petit niveau est bien compliqué. Ça va faire plusieurs jours que je suis dessus. C'est compliqué parce que... Oh la vache, j'ai réussi à passer ça, moi, n'importe quoi. Une menace voilà. A été détectée. Là, des fois, vous êtes en situation où... Donc moi, je vais prendre le bonus, parce que je peux. Bon, le bonus m'offre que 10 secondes. Hein. C'est même pas sûr que je passe la ligne. Ah si, c'est bon. Voilà. Donc là, hop. Donc j'ai pas mis de webcam parce que je ne pouvais pas parce qu'en fait j'utilise mon smartphone justement comme webcam. Donc je ne pouvais pas vous le mettre.
pour pouvoir en fait me filmer et jouer en même temps. Donc voilà, je voulais juste vous présenter cette petite appli pour ceux qui aiment bien un petit peu la moto. Bon, bien sûr, ça reste un jeu d'arcade, c'est gratuit, sachant qu'entre les fins de course, ben, vous avez ça, souvent une petite... allez, c'est parti, c'est le moment de prendre des points. Oh, dommage. Dites-vous que là, j'arrive à la fin, ouais, je suis blasé. Temps écoulé, trop difficile, pour 4 heures, tu peux passer la mission. Alors, non, on ne passera pas la mission. Donc vous voyez, vous avez des petites pubs comme Wish et tout qui s'agit en haut. Des fois, vous avez même plus. Mais bon, après, ça reste... C'est une bonne appli dans l'ensemble. Je l'aime bien, c'est fluide. Ça s'appelle Traffic Rider. Voilà, il faut aller sur Google Play. On va aller tryhard un peu, on va essayer de passer les niveaux. C'est vraiment difficile hein, quand même. Hein. Hop. J'ai pris trois petites secondes, là, c'est parfait. Ouh. PGM de la mort. Merde. Donc les combos x2 permettent de donner un peu plus de temps. Là, il y avait du niveau, là. Là, il y avait du niveau. Oh. Voilà, j'espère que cette petite appli vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous trouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kenavo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne.